La colère, c'est une émotion que l'on ressent de façon plus ou moins intense et qui se visualise par l'extérieur de façon différente selon les personnes. Soit la colère va s'extérioriser, soit la colère va s'intérioriser. Soit ça va peut-être être aussi un petit peu lent entre les deux, avec une façon agressive de parler. Ouais, nada. Certaines personnes ont même cette façon agressive de parler en permanence. C'est-à-dire qu'elles n'ont même pas conscience finalement qu'il y a de la colère en elles. J'ai pu le remarquer à plusieurs reprises, dans différentes circonstances, avec des personnes différentes. Et quand je leur dis, ouais, mais là, tu es en colère, bah non. Belle réaction. La colère, c'est important de mettre le doigt dessus, d'observer si on est en colère ou pas, parce que la colère, en fait, eh ben, elle vient nous autodétruire à l'intérieur ou alors détruire les relations à l'extérieur, parce que tout simplement, on envoie une énergie et qui est un peu pourrie. Donc si c'est ton cas, que la colère, tu dis, ouais, c'est vrai que je suis pas forcément super zen, super calme, super détendu. Eh bien, inscris-toi à la masterclass du 2 novembre. Je donnerai des outils pour évacuer la colère quand elle arrive, parce que ça peut arriver. Moi-même, ça m'arrive, évidemment beaucoup plus rarement que par le passé, mais ça peut encore m'arriver tout d'un coup d'être en colère. Et dans ce cas-là, je mets en place des techniques, des outils. Et je partagerai aussi les techniques, les outils qui m'ont permis de ne plus avoir ces épisodes de colère que j'avais de façon très intense quand j'étais plus jeune. J'avais un niveau de colère qui était très très élevé et j'étais en train de détruire mon organisme aussi bien que de pourrir mon environnement. Donc on se retrouve le 2 novembre, un temps qui est offert, tu peux en profiter. À bientôt!